Le prince Louis survolté, le cadet de Kate Middleton se fait remarquer lors d'un festival familial. Là où il passe, tout trépasse. Il y a quelques jours, Kate Middleton et le prince William ont emmené leurs enfants à un festival dans le Norfolk. Durant cet événement, le prince Louis était visiblement déchaîné lors d'une grande bataille de pistolets comme l'a rapporté Vanitatis, ce lundi 19 août. Une apparition qui n'est pas passée inaperçue, alors que le roi Charles III et la reine Camilla sont à Balmoral pour le reste de l'été. Kate Middleton et William passent d'agréables vacances avec leurs trois enfants dans leur propriété d'Anmer Hall, située sur le domaine de Sandringham. Dans le Norfolk, durant ce « fabuleux » séjour, le prince et la princesse de Galles multiplient les activités en tout genre pour occuper George, Charlotte et Louis. Le 10 août dernier, les époux ont emmené les princes et la princesse à un festival Gone Wild à Holkham Hall, comme l'a rapporté The Daily Mail. Sur place, les petits-enfants du souverain ont participé à une grande bataille de pistolets de la marque Nerf, avec des balles en mousse. Un moment que le prince Louis a particulièrement apprécié. En effet, le garçon de 6 ans était totalement survolté lors de ce fameux duel. Selon les informations de nos confrères britanniques, relayées par Vanitatis ce lundi 19 août, le petit frère de George et Charlotte courrait dans tous les sens. Il criait « Nerf ou rien, c'est parti !» a révélé l'organisatrice de cette grande bataille, Georgina Baron. Et le cadet de la tribu n'est pas le seul à s'être amusé. Alors qu'elle poursuit son traitement contre le cancer, Kate Middleton s'est emparée d'un pistolet Nerf. A couru partout et a joué au catch dans la boue avec ses enfants. Si aucun cliché de cette journée festive et amusante n'a été dévoilé. La directrice des Norfolk Nerf Party a assuré que la famille royale a profité de cette journée comme n'importe quelle autre famille normale. Une journée qui restera inoubliable. Le prince Louis, pourquoi on le voit moins que George et Charlotte? Si le prince George et la princesse Charlotte accompagnent de temps à autre leurs parents lors de divers événements, notamment sportifs, il en est tout autre pour leur petit frère. Une question est alors sur toutes les lèvres. Pourquoi? Dans les colonnes de The Express, le 30 juillet dernier, Richard Fitzwilliams a révélé que l'absence du cadet de la fratrie n'est pas anodine. Il est évident que le prince George est choisi pour certains événements en raison de son âge et de son statut. Il est évident que Charlotte l'est aussi. Louis est le plus jeune et William et Kate veillent à maintenir un équilibre entre l'intimité, qui est essentielle, et le désir évident de voir tous leurs enfants, a révélé l'expert royal. Au cours de cet entretien, le spécialiste des têtes couronnées a ensuite indiqué que les enfants ont tendance à plus attirer l'attention que les autres. En outre, plus les enfants sont jeunes, plus ils sont susceptibles de faire une grimace et de voler la vedette. La presse adore cela, mais c'est une diversion par rapport à l'événement principal. Et dans ce domaine, le prince Louis est le roi. Que ce soit au couronnement de son grand-père en 2023 ou au jubilé de la reine Elisabeth II en juin 2022. Il a offert un vrai spectacle avec ses pitreries et grimaces. Pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.